Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu praise the Lord. Gloire au Seigneur. Glory to Jesus. Gloire au Seigneur. We greet you all in the name of Jesus. Je vous salue par les noms du Seigneur. And we also welcome you at Ebenezer Bedford View Christian Community Center. Et nous accueillons à Ebenezer Bedford View Christian Community Center. We also like to welcome our viewers. You are connected with us. May the Lord richly bless you. Thank you for choosing. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir choisi Ebenezer. Being on the part of the program. De faire partie de ce programme. We thank God that to make this day possible. Nous disons merci au Seigneur qui a rendu ce moment possible. For this beautiful weather. Disons merci au Seigneur pour ce clip meilleur. God is awesome. Dieu est souverain et merveilleux. God is awesome. Dieu est merveilleux. It's so hot in Western Cape and it's raining here in Gauteng. Il fait très chaud à Cape Town, mais ici il est en train de pleuvoir. We thank God for the opportunity that he's giving us to be here. Nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité d'être ici. Thank you to you, my brother. Thank you to you, my sister. Merci à vous, mon frère. Merci à vous, ma sœur. For allowing yourself to be in the presence of God. D'être permis d'être ici dans la présence de Dieu. Also, thank you for the leadership. Et aussi merci au leadership. Thank you for the media. Merci aux médias. For all the effort that you are putting together. Merci pour les efforts que vous conjuguez. Present worship team, thank you so much for merci being here. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. The intercessors as well. Intercesseurs, merci, que Dieu vous bénisse. The cleaning department. Ceux qui nettoient, que Dieu vous bénisse. Logistique, thank you so much. Que Dieu bénisse la logistique également. Amen. Amen. All right, as we all know, Friday it's about praying, worshiping. Comme nous savons que vendredi est réservé à la prière et à l'adoration. And also we're going to spend time in the teaching of the word of God. Et aussi nous passons du temps dans l'enseignement de la Bible. Amen. Amen. Let us pray. Father, thank you for this time that you make us have to be here in this place. Thank you for my brother. Thank you for my sister. Thank you for this service, Father God. Thank you for this gathering. As we're going to speak about your word, oh God, we pray so that your spirit may lead us. Mm-hmm. Speak to us again. You send your word, Father, your word heal them. Father, let your word tonight heal us. Amen. In Jesus' mighty name. Father, you say we are sanctified by your word. Thank you for comforting us. Thank you for answering to my brother's need, my sister's need. Amen. In the mighty name of Jesus. Use all my being your father. Amen. Let me just be a vessel that you want to speak to me, speak to my brother this day. Amen. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. All the saints of God say amen. Amen. Praise the Lord. Let's clap our hands for Jesus. Seigneur, acclamons le Seigneur. Right. Oui. Okay, I'm just going to talk about sanctification. Je voudrais parler pour sur la sanctification. Remember last time when I came, rappelez-vous la fois passée quand j'étais ici, we spoke about from God visitation to God habitation. On a parlé de la visite du Seigneur à l'habitation du Seigneur. When God visited his people, quand Dieu a visité son peuple, he wants his people to dwell in his presence. Il veut que son peuple demeure dans sa présence. Actually, the purpose of God when he visiting us, le but du Seigneur quand il nous visite, is not only just that to rejoice. C'est pas seulement pour que nous réjouissions, non. Yes, to celebrate. But he's visiting us, il nous visite, so that you may know who he is. Pour que nous le sachions mieux. Amen. Amen. So one of the topic, l'un des sujets, when we are in his presence, quand nous sommes dans sa présence, one of the things God wants us to know, c'est que Dieu aimerait que nous sachions, that we need to know that we are sanctified in Jesus Christ. J'aimerais savoir que nous sommes sanctifiés en Jésus. Sanctification. Somebody say sanctification. Sanctification. Quelqu'un dise sanctification. Yes. Somebody else can say holiness. Que disent la sainteté. I know, especially when we talk about holiness and sanctification. Quand nous parlons de la sainteté, de la sanctification. In our mind, dans nos pensées, the first thing comes. La première chose qui arrive. Sin, péché.
hey, this pastor come to talk about sanctification here. Ce pasteur vient parler du péché ici. No, we are having this wrong understanding nous of avons this une mauvaise compréhension de la sanctification. I know where we came from. Je sais d'où nous venons. With the religion. Avec la religion. When you talk about sanctification. Quand lorsqu'on parle de la sanctification. With the first thing we come is in our spirit. La première chose qui arrive à nos pensées, sin. C'est le péché. But let me tell somebody this minute. Permettez-moi de vous dire ce soir. God already dealt with sin issue. Dieu a déjà fini ce problème. Sin is no longer issue for God. Le péché n'est plus un problème pour Dieu. Can I repeat it? Est-ce que je peux répéter? Sin is no longer issue for le God. Le péché n'est plus un problème pour Dieu. So God does not sit on the throne. Dieu n'est pas sur le trône. Just worry about it. This son of mine, this daughter of mine is no. En train de s'inquiéter pour son enfant et sa fille. God is more concerned about your conformity to His Son, Christ Jesus. Dieu est beaucoup plus concerné sur votre conformité à Jésus. God is more concerned about I want my brother, my son Elisha, I want my daughter Olga to be like my son Jesus Christ. Dieu veut que mon enfant Elie, ma fille Olga, qui se ressemble à Christ. So I want to tell somebody. Je voudrais dire à quelqu'un, whenever we come as a Christian, que chaque fois que nous venons comme chrétiens, the first goal or the first purpose that we need to have, le premier objectif que nous devons avoir, and we need to fight every single day, et que nous devons nous battre chaque jour, Lord, I want to be like you. Seigneur, je voudrais être semblable à toi. I want to be like you. Je voudrais être semblable à toi. I want to look like you. Je voudrais te ressembler. My mind want to be like you. Que mes pensées te ressemblent. My body want to be like que you. Que mon corps te ressemble. My action reflect that you que are within me. Mes actions reflètent ta présence. That's our desire. C'est ce qui doit être notre désir. Am I talking to somebody tonight? Je parle à quelqu'un ce soir. Sin is no longer an issue for God. Le péché n'est plus un problème pour Dieu. I'm gonna tell you something. Je voudrais te dire quelque and chose. And I'm taking you somewhere. Et je vous dis quelque chose. Sanctification. La sanctification. We can first of all ask ourselves what sanctification means. Nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce que la sanctification. Of course, it's an action to be sanctified. C'est une action qui nous permet de nous sanctifier. Is to be set apart to God for a special purpose. C'est être mis à l'écart pour un but bien déterminé. Sanctification. La sanctification. According to the Greek meaning. Selon le mot grec. Is to be set apart. Ça veut simplement dire mettre mis à côté. To God for a special purpose. Mis à côté pour le but du Seigneur. Am I talking to somebody? Let's go to the book of Romans chapter 10. Lisons dans Romains chapitre 10. My friend. Mon ami, mes amis. Christianity is simple. La chrétienté. But it's a religion that is complicated. La chrétienté est simple, mais c'est la religion qui being est compliquée. Being Christian, it's a simple life. We don't need to complicate Christianity. Nous ne devons pas compliquer le christianisme. Romans chapter 10, verse 8. Romains chapitre 10, verset 8. I'm gonna read. Je vais lire. Yes, I got it here. J'ai ça ici avec moi. Listen what the Bible says. Écoutez ce que la Bible enseigne. But what does it say? Qu'est-ce qu'elle dit? The word is near you. La parole est proche de toi. It is in your mouth. Elle est dans ta bouche. In your heart. Dans ton cœur. That is it. C'est ça la parole. The message concerning faith that we proclaim. C'est ça le message de la foi que nous proclamons. Verse 9. Verset 9. If you declare with your mouth. Si tu déclares avec ta bouche. Other version they say if you confess from your mouth. Certaines versions disent si tu confesses Jesus avec ta bouche. Jesus is Lord. Que Jésus est Seigneur. And believe in your heart et que tu crois dans ton cœur that God raised him from the dead, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, you will be saved. Et tu seras sauvé. Did you hear that? Vous avez entendu? Verse 10. Verset 10. For it is with your heart parce que c'est en croyant du cœur that you believe que vous croyez and are justified et que vous êtes justifié. And it is with your mouth c'est en that you profess and confess your faith que vous confessez votre foi and you are saved et que vous êtes sauvé. This is the basic, my brother, my c'est sister. Ça la base. I know today we are preaching about prophecy. We need prophecy. Je crois que nous sommes en train d'être beaucoup plus focalisés sur la prophétie. I need prophecy. I want prophecy j'aime as well. La prophétie. J'aime but I want to tell somebody tonight. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir. The greatest and biggest prophecies in the word of que God. La plus grande prophétie se trouve dans la parole de Dieu. Is the word of God. C'est la parole de Dieu. This is the true prophecy. La parole de Dieu est la and meilleure the biggest prophétie. Prophecy. Before you expect somebody to prophesy in your life, avant d'espérer que quelqu'un prophétise pour toi, the word of God is there. D'abord la parole du Seigneur. The word of God is there. La parole du Seigneur est là. Listen what the Bible says. Écoutez ce que la Bible dit. If you confess, si tu confesses, with your mouth, avec ta bouche, Jesus is Lord. Jésus-Christ est Seigneur.
If you believe in your heart, si tu crois dans ton cœur, that God rose him from the dead, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, you are saved. Tu seras sauvé. That is the first step, my brother, c'est my sister. C'est ça le premier pas. That is the prayer. C'est ça la prière. That is the decision. C'est ça la décision. Introduced you qui t'introduise to become et qui te permet a child of God. Un enfant de Dieu. John chapter 1. Jean chapitre 1. Verse 12. Verset 12. Let me read it. Permettez-moi de le lire. I'm taking us to the basic teachings. Je nous ramène sur l'enseignement des bases. That today the church will even forgotten about it. Que l'église a aujourd'hui oublié. We have today many churchgoers. Nous avons beaucoup de gens qui vont à l'église. But few are born again. Mais seulement peu sont nés de nouveau. Coming to church does not give you the access to become born again. Aller à l'église ne te permet pas de devenir un singing born does again. Not mean that you are going to heaven. Singing, chanter, is not the access for you to be in heaven. Pas un accès au ciel. Am I talking to somebody? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Praying. By the way, what are you praying anyway? When are you praying? Prier, you are not even born again. Qu'est-ce que tu pries finalement? You are praying who? You are praying what? À qui tu t'adresses dans la prière? If you are not yet born again, si tu n'es pas encore né de nouveau. John chapter 1 verse 12. Jean chapitre 1 verset 12. Yet to all who did receive him. Oui, à ceux qui l'ont reçu. To those who believe in his name. À ceux qui croient en son nom. He gave the right to become. Il leur a donné le pouvoir. Children of God. De devenir enfants de Dieu. He gave the right to become. Il a donné le pouvoir. We are not born children of God. Nous sommes appelés maintenant enfants de Dieu. We are not born children of God. Nous ne sommes pas enfants de Dieu. We are becoming the children of God. Nous devenons enfants de Dieu. My brother, my sister. Mon frère et ma sœur. Let me tell you something. Permettez-moi de te dire. My friend, you are listening to the sound of my voice. Toi qui m'écoutes maintenant. You can give 1 million rand in the church. Tu peux donner 1 million de rand à l'église. You can be a biggest partner in the body of Christ. Tu peux être un partenaire fort dans l'église. But if you never ever give your life to Jesus. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Thank you so much. Merci beaucoup. Physically, you are blessed. Physiquement, tu es béni. Materially, you are blessed. Matériellement, tu es béni également. But you are out of order. Mais tu es en dehors. Jesus will come and you stay, you go to hell. Jésus-Christ viendra et tu vas rater le this ciel. Is the beginning of everything. C'est ça le commencement. Only Jesus. Jésus seul. When you give your life to him. Quand tu donnes ta vie. You will be saved. Tu seras sauvé. I want to do a heart call this morning or this evening. Whoever never received Jesus Christ as a personal Lord and Savior. Quiconque n'a jamais accepté Jésus comme son sauveur. This is your time. C'est ça ton moment. This is opportunity for you. C'est ça l'opportunité. The Bible says whoever receive him. La Bible dit que quiconque le reçoit. You become. Vous devenez. You become what? Tu deviens quoi? A child of God. Un enfant de Dieu. My question is. Ma question est. Are you a child of God? Es-tu enfant de Dieu? If yes. Si oui. How did you become a child of God? Comment es-tu devenu? Do you still remember the experience that you had? Est-ce que tu te rappelles l'expérience que tu as vécue quand tu l'as reçue? Can you tell us if I can give every single one of us a microphone? Est-ce qu'il m'arrivait de donner à quelqu'un ici un micro? How did you meet Jesus? Comment as-tu rencontré le Seigneur? Is Jesus your personal Lord and Savior? Est-ce que Jésus est ton sauveur personnel réellement? Have you ever remember one day you said, Lord Jesus? Te souviens-tu avoir dit, Seigneur Jésus? I surrender my life to you. J'abandonne ma vie entre tes mains. I refuse the world. Je refuse le monde. I refuse the scheme of the evil one. Je refuse le chemin du diable. I refuse the ways of the devil. Je refuse les voies du diable. I abandon myself to you. J'abandonne ma vie entre tes mains. Have you ever done that prayer? As-tu déjà fait cette prière? Where and when? Quand et comment? Où? If not, sinon, you are part of the churchgoers. Tu es tout simplement un visiteur de l'église. But the good news is, mais la bonne nouvelle, when Jesus comes, quand Jésus vient, you'll stay. We're gonna say bye bye to you. Il viendra, il te fera au revoir. Regardless how many years you've been coming to church. Peu importe le temps que tu as vécu à l'église. Regardless how many times you've been fasting. Peu importe le temps que tu as jeûné. By the way, you are fasting who? Mais de toute façon, comment tu gênes? Hello? Et comment tu gênes? Church of God. Église du Seigneur. Let's assess ourselves. Let's assess. Examinons. Yes. Double check ourselves. Examinons nos vies nous-mêmes. Are we really born again? Sommes-nous réellement nés de nouveau? If we are. Si not. Praise God. If we are not, si nous sommes pas, it's a waste of time. C'est but this message is for you, my brother, my mais sister. Ce message est pour toi, mon frère et ma sœur. Because parce que to be sanctified être sanctifié means veut dire you've been set apart vous êtes mis à l'écart to God à Dieu, for Dieu, a special purpose. Pour un but précis pour I want to tell the church today je voudrais dire à l'église once you are in Christ,
Quand une fois dans le Seigneur, once you are in Christ, quand une fois dans le Seigneur, you are sanctified. Sanctifié. Isn't it a good news, brothers? C'est pas une bonne nouvelle, ça. Isn't it a good news, sisters? C'est pas là une bonne nouvelle. In Christ. En Christ Jésus. In Jesus. En Jésus. We are sanctified. Nous sommes sanctifiés. Your spirit is saved. Votre esprit est sauvé. Let me go to number two. Deuxième point. There are three types of sanctification. Il y a trois façons d'être sanctifié. I first give you an introduction. Premièrement, donner l'introduction. To introduce to you, je vous introduis, that once you are in Christ, une fois que you are sanctified, tu es sanctifié. Your spirit is saved. Ton esprit est sauvé. Obvious, as we all know. Malheureusement, comme le connaissons. According to the book of First Thessalonians, selon 1 Thessaloniciens, chapter 5, verse 23, chapitre 5, verset 23, we are three parts. Nous sommes composés de the trois true parties. You is your spirit. Le vrai toi, c'est l'esprit. Isn't it somebody knows it, right? Est-ce que vous le savez? You have a body. Vous avez un corps. You have a soul. Vous avez une âme. Okay, whenever you receive Jesus, et chaque fois que vous recevez you are le born Seigneur, again. Vous êtes né de nouveau. When you say born again, quand on dit né de nouveau, in other words, ben cela veut dire, we are born with a sinful nature. Nous naissons avec une nature pécheresse. We are born with a sinful nature. Nous naissons avec une nature pécheresse. As we are coming to the world, quand nous venons au monde, because of Adam, mais à cause disobedience, sin sa désobéissance, sin entered. Le péché est entré. And Jesus Christ, et Jésus-Christ, has come, est venu. Give us life. Nous donner la vie. He overcame the sinful nature. Il a vaincu la nature pécheresse. Reason why, my brother, my sister. Écoutez, mes frères et sœurs. When you are committing sin, quand vous commettez le péché, it doesn't make you a sinner. Ça ne fait pas de vous un pécheur. Can I repeat it? Est-ce que je peux répéter? Committing sin, poser un péché, it doesn't make you a sinner. Commettre un péché, you already born a sinner because of the nature. À cause de la nature, vous êtes pécheresse. When you look at a child, quand vous regardez un even enfant, when you look at those kids there, regardez nos enfants qui sont là avec nous. Who teach them that this balloon is for himself? Mais qui a enseigné ces enfants? If you try to take away the balloon from this child, c'est pour eux. No, this is who taught you to be selfish? Mais qui vous a dit d'être égoïste? He never even been starting a crèche. So to tell us, nous dire, this nature is within us. Cette nature est à nous. But the good news is, mais la bonne nouvelle, when you receive Jesus, quand vous recevez le Seigneur, he paid the price of the sinful nature. Il a payé le prix pour cette nature. He sanctified us. Il nous a sanctifiés. He set us apart. Il nous a mis à part. So that you may receive the nature of God. Que nous recevions la nature de Dieu. That's why. C'est pourquoi. If you are not yet born again, quand tu n'es pas encore né de nouveau, let me emphasize on that. J'ai accentué encore. It's a waste of time. C'est une perte de temps. Amen. Amen. There are three types of sanctification. Il y a trois formes de sanctification. Number one. Numéro un. We call it positional sanctification. Parlons de la sanctification positionnelle. We have the position to be sanctified. Nous avons la position d'être sanctifiés. Through the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. We get it from our salvation. Nous le recevons par le salut. As you are sitting there. Comme nous sommes assis là. You may be shocked. Vous êtes choqués. You are sanctified. Vous êtes sanctifié. You are purified. Tu es purifié. My good, this kind of good news, but you are just sitting, keeping ça quiet. Ça fait une très bonne nouvelle, mais vous êtes indifférent. You no longer the person you were before you received Jesus. Tu n'es plus ce que tu étais avant que tu ne reçoives the le Seigneur. The way God sees you, la façon dont Dieu te voit. You are pure, you are holy, you are sanctified. Tu es pur, tu es saint, tu es sanctifié. Because of Jesus. À cause de Jésus. I know in your mind you are struggling because you always sin. Je sais que dans ta pensée vous battez là-bas. Me sanctify. Moi sanctifié. Am I holy? Et suis-je saint? No, you are indeed. Oui, tu l'es. Because of Jesus. À cause de Jésus. Because of Jesus. À cause de Jésus. Positional sanctification. La sanctification positionnelle. We receive it by salvation. Nous le recevons par la par because le salut. Because of the blood of Jesus. À cause du sang de Jésus. Amen. Amen. Am I talking to somebody? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Somebody say after me, I'm sanctified. Quelqu'un dit, je suis sanctifié. Because of the blood of Jesus. À cause du sang de Jésus. God see you holy. Dieu te voit saint. You don't believe it. Vous ne croyez pas? I'm believing on your behalf. Je crois de ta part. God sees you holy. Dieu te voit saint. Because the chastisement, the punishment, parce que la punition has fallen on Jesus. La punition est tombée sur Jésus.
If it was depending on our actions, our works, si ça ne dépendait que de nos actions, nos œuvres, nobody could have stand today. Personne ne pouvait se mettre debout. Becoming a child of God, devenir enfant de Dieu, we have access to call God a creator, a father. Nous avons accès d'appeler Dieu comme notre père. He's no longer a creator, almighty God. Tout simplement un créateur, un Dieu puissant. He becomes our daddy. Il devient notre père. He becomes our father. Il devient notre père. He becomes our papi. Il devient notre papa. He becomes our papa. Il devient notre papa. He becomes our baba. Il devient notre baba. Which language again I'm forget? That Vivi. Tatou. Papa, tatou. Tatou, hein? Yes. Hein, na kiko on sait quoi? This is the nature that we receive. C'est ça la nature que nous recevons. Being born again, my brother, my sister. Être né de nouveau, mes frères et sœurs. I want the church to rejoice. Je voudrais que l'église se réjouisse. That in Christ, qui dans le Seigneur, we are sanctified. Nous sommes sanctifiés. God doesn't have any problem with the issue of Dieu sins. Dieu n'a plus de problème avec le péché. Hey. Alléluia. Joshua Bolowa, you are sanctified. Claude Kabambi, tu es sanctifié. By accepting Jesus, en acceptant le Seigneur, I positioning myself as a holy. Je me positionne moi-même comme étant. God sees me the way He sees Jesus. Dieu me voit comme il voit Jésus. Reason why the book of First John chapter 1. C'est pourquoi Jean 1. Chapter 4. Chapitre verse 17. Verset 17. The way Jesus is the way we are in this world. La façon dont Jésus est, la façon dont nous sommes dans ce monde. Somebody does not believe me. Il y a quelqu'un qui ne croit pas à ça. Let me go to the book. This is a teaching. Parce que c'est un enseignement. Allons dans la Bible. First John chapter 4. 1 Jean chapitre 4. Hallelujah. Amen. Jesus is good. Jésus est bon. Hallelujah. Amen. The way Jesus is the way we are in this world. La manière dont Jésus est, c'est la manière dont nous sommes, la manière dont nous sommes dans ce monde. Because of his sacrifice, à cause de son sacrifice. Because of his death, à cause de sa mort. We are justified. Nous sommes justifiés. We are sanctified. Nous sommes sanctifiés. I say we call it positional sanctification. Nous parlons de cela comme étant une sanctification positionnelle. Number two, second type of sanctification. Numéro that deux, we have. Deuxième forme de sanctification. Experiential sanctification. Sanctification expérimentale. That's what means. Qui veut dire? Progressive sanctification. Une sanctification progressive. Through the word of God. Par la parole du Seigneur. Progressive sanctification. Une sanctification progressive. Through the word of God. Par la parole du Seigneur. Amen. Amen. This is the second type of it. C'est ça le deuxième type de sanctification. As we are positioning ourselves as the children of God, comme nous positionnons comme enfants de Dieu, we have to experience walk through with the word of God. Nous devons expérimenter cette sanctification par la parole du Seigneur. Reason why I can, let's break it down. You are converted, you are born again, right? Tu es né de nouveau, tu es converti. You are born again. Tu es né de nouveau. Now you need to go through conversions. Maintenant tu dois aller par la conversion. Let me put that way. Il y a la conversion et les conversions. Right? You are born again once. Et tu es né de nouveau une seule fois. Like somebody was calling me, say, Papa, you know what, yo, I fell. I don't feel like, no, I lost my salvation. I said, quelqu'un no, you me don't disait, lose your salvation. J'ai péché, j'ai l'impression que je perdis mon salut. Je lui dis because non. Because you lied, because you stole somebody's pen. Parce que tu as menti, what did you do? Tu as volé un stylo de quelqu'un. No, somebody left the pen here, stole it. I feel so bad. Dis non, mais quelqu'un a laissé son stylo ici, je le prie. I feel like, no, God does not see me anymore. J'ai l'impression que Dieu ne me voit plus. I lost my salvation. J'ai perdu mon salut. I said no. Je dis non. You don't lose your salvation. Tu as perdu ton salut. The problem is, le problème est, sanctification is a process. La sanctification c'est un processus. Amen. You don't lose your salvation. Tu ne perds pas ton salut. 1 Peter chapter 1. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Peter. 1 Pierre chapitre chapter 1. Chapitre 1er. Verse 16. Verset 16. Is somebody with me tonight? Est-ce que quelqu'un me suit? For is it written, be holy. Parce qu'il est écrit, soyez saints. Because I am holy. Soyez saints parce que je suis saint. Be holy because I am holy. Soyez saints parce que je suis saint. In the Greek meaning of this scripture, en grec cela veut dire, it says becoming holy. Devenir saint. Because my nature is holy. Parce que ma nature est sainte. I God, I'm holy. Je suis Dieu In other words, I God, I'm sanctified.
Comme je suis sanctifié, I want you, my children, to be holy as comme well. Moi, Dieu, je suis sanctifié, je voudrais que mes enfants soient I saints. I want you to keep that holiness, that sanctification. Je voudrais que vous gardiez cette sanctification. It must be your life. Cela doit être votre style de vie. How? Comment? Through the word of God. Par la parole de Dieu. Through the word of God. Par la parole du Seigneur. And the third type of sanctification that we have. Et le troisième type de sanctification que nous avons. We call it ultimate. Nous appelons seulement à cette sanctification ultime. In other words, the final sanctification. C'est-à-dire une sanctification finale. An eternal body. Un corps éternel. That's why we're gonna receive it during the resurrection. C'est que nous recevrons pendant la résurrection. We'll have it during the rapture of the church. Nous l'aurons pendant l'enlèvement. We will be transformed. Nous serons transformés. This mortal body will live here. Ce corps mortel va rester ici. We're gonna have the glorious. On aura body. Un corps glorieux. Am I talking to somebody? Je m'adresse à quelqu'un. This is the final sanctification. C'est ça la sanctification finale. Let me break it down. Je voudrais couper ça en deux. I said, je dis, sanctification is to set apart. C'est être mis à part. When you are born again, quand vous naissez de nouveau, God take you away from the world. Dieu te prend côté du monde, en dehors du monde. He sanctify you. Il te sanctifie. He put you aside. Il te met à l'écart. You no longer that old person that you tu had before. Tu n'es plus l'ancienne personne que tu étais. You don't need to call yourself a sinner. Tu n'as plus la raison de t'appeler comme un pécheur. You can hear the Christian, oh, ngangu mutamasumu vraiment nzambo ngangu mutamasumu limbisa nzambo. Oh, miyewabo miyewabo. You are no longer mutamasumu. Tu n'es plus un pécheur. You are sanctified. Tu es sanctifié. Because of Jesus. À cause de Jésus. Because of His blood. À cause de son sang. His blood cleans your sins. Son sang purifie de tout péché. His blood cleans your iniquities. Son sang purifie de toute iniquité. His blood cleans your sinful nature. Son sang purifie ta nature pécheresse. Yet. Oui. Yet, et encore, you have a body. Tu es dans ce corps. You got a flesh. Not the work that we need to work out right now, to be led by the word of God. Nous devons être conduits par la parole to be du Seigneur. Led by the spirit of the living God. Être conduits par l'esprit du Seigneur. Then whatever is our weakness in the flesh, tout ce qui est notre faiblesse dans ce corps, the word of God is gonna shape it one day at a time. La parole du Seigneur va les transformer. Et maintenant, va les guider. Amen. My brother, my sister, mon frère, ma sœur, I'm gonna go there soon. Je voudrais the spirit of the living God, l'esprit du Seigneur, one of his assignments, la mission, Papa Désiré, is to convince us with sins. L'esprit du Seigneur vient te convaincre du péché. My brother, my sister, mon frère et ma sœur, I can scream here on the pulpit. Je peux crier ici. Tikamasumu, Tikamasumu, abandon this. Abandon. As long as the Holy Spirit never convince you, you won't leave it. Si le Saint Esprit t'a pas encore convaincu, tu vas pas laisser. It's only the word of God, il y a que la parole du the Seigneur, spirit of the living God, l'esprit du Seigneur, that convinces us, qui convainc, qui nous convainc, to our nature, de notre nature. Am I talking to somebody? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Ultimate sanctification. La sanctification ultime. This is the third type of sanctification la that we have. La dernière forme de sanctification. We'll have it during the rapture of the church. Nous l'aurions à l'enlèvement. Where? Quand we are going to be converted, quand on sera transformé, as the body of Christ, comme l'Église corps de Christ, into the bride of Christ, comme l'épouse de Christ. This is the last sanctification. C'est la dernière sanctification. Am I talking to somebody? My brother, my sister, mon frère et ma sœur, the agent of sanctification, the agent, l'agent pour la sanctification. Number three. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.